Et au connaît, il est vrai qu'on te parle de ça. Là, c'est une raconte où tu expliques que le conseil présidentiel avec le président du conseil BNCA, tu as gagné un scandale qui t'a pété. D'ailleurs, tu as une rumeur. Après ça, même dans le Microsoft, tu as confirmé que tu as cité le nom concerné parce que c'est avocat et monsieur. Et finalement, à l'arrivée côté Bolivia devant l'ULCC, il y a une sorte de confrontation qui vous a faite. Toi, monsieur, t'as semblé aller, mais client pour là, il partait là. Ça qui passe. Monsieur, vous dites qu'on est à chaque fois là, nous venons là, parce qu'on est fort, pas bien menti dans l'espace public. Tant pour ne pas bien vérité, nous ne pouvons pas venir. Parce que c'est une question d'éthique, c'est une question de moralité. Et m'a dit pour auditeurs et auditrices qui attendent l'émission, dans le premier moment, scandale BNCA, il était éclaté. Et que Raoul Pierre lui a choisi comme avocat. Premier bagage pour me dire, ce n'est pas une affaire qui mettait face à face. Raoul Pierre-Louis, avec trois conseillers, conseil présidentiel, qui c'est Gérald Gilles, Emmanuel Vettilet, avec Ismet Augustin. Son affaire qui mettait face à face l'État haïtien et trois conseillers présidentiels. Pour qui ça me dit ça, vous dit? Les Raoul Pierre-Louis font première rencontre avec le premier ministre là, et puis il a expliqué le fait. Rencontre, il y a différentes rencontres, il y a avec trois membres du conseil présidentiel, que ce soit la Kaili, que ce soit. Et dans Oasis, et puis il racontait le fait. Et puis il dit qu'il a demandé 100 millions de gouttes comme paiement pour le garder pour cela. Quand il y a là, qui ça me dit, monsieur? Je dis, monsieur, administration publique n'est pas faite dans la bouche. C'est papier qui vient. Il a consulté comme avocat. Il me dit, fais ça, est-ce que vous dénoncez ou non papier, vous voyez, le premier ministre là? Il dit, non. Il me dit, il faut exposer le fait au bali. Maintenant, il finit d'exposer le fait au bali, non papier, qui est moi-même de travail sous lui. Il me dit, il y a deux bagages pour faire, il faut demander protection. Parce que c'est là où il y a le rôle de dénonciateur. Maintenant, mais ça m'a dit auditeur pour t'être à comprendre. Gary Conny t'a décidé de résoudre la question hein, par la raison d'État. Il va faire bruit avec ça. Justement. Par la raison d'État. Exactement ce que je dis ça. Raison d'État, mais ça va être contraire à l'État de droit. On résout lui. Vous avez dit dossier ça. Son dossier qui est tellement dangereux pour la dignité et la noblesse de l'État. L'État a dit, mon cher, mais ça va le faire. Il a réuni les membres du conseil présidentiel. Au complet, et puis il dit, mais c'est mes bagages là. Et puis il dit, et puis il mettait en face, et puis il mettait Raoul Pierre-Louis. En face, conseiller présidentiel, pour lui dire mes bagages là. Et puis quelqu'un nous a dit, pays n'a pas qu'à tomber dans un scandale ça. Même si nous sommes coupables, ben on cherche un gens politiquement pour nous traiter le dossier. Il était qu'à blâmer les trois membres du conseil présidentiel, ben ça, ils ont tout fait le dossier. Et il dit, Raoul, vous êtes seul, mais vous êtes deux au conseil d'administration, ben ça, nous allons pouvoir arrêter et puis nous compléter le conseil là. Maintenant, on résout la question par la raison d'État. Et pas ça, me dit pour le faire, non. Mais si on dit, on prend un rapport. Pour rendre public. Pour rendre public. Et pour saisir ULCC. Ce n'est pas Raoul Pierre-Louis qui saisit ULCC. C'est le Premier ministre. C'est le Premier ministre là qui transmet correspondance Raoul Pierre-Louis Vouibalia à ULCC. Il prend le dossier en main. En main, à cœur. C'est parce qu'il estime que d'abord, les faits qui lui ont été présentés sont suffisamment fondés. Parce que pas dit le Premier ministre, ça s'en d'amener. Ni Raoul Pierre-Louis, bon, quidam, mais pas ça. C'est parce qu'on ne peut pas prendre l'État à la légère. C'est parce que les faits sont suffisamment fondés. Et puis, le Premier ministre a dit, ça doit faire objet d'une enquête. Et puis, il transmet peut-être là, bal ULCC. Une fois de plus, ce n'est pas Raoul Pierre-Louis qui a saisi ULCC. Ou bien qui a le devant qui précipité, qui a le devant qui a fait une déclaration devant. C'est supérieur hiérarchique lui qui décide que les faits sont suffisamment graves. Et puis, il dit, ça mérite une enquête. Donc, Raoul Pierre-Louis dit ça, mérité pour yon font enquête sur trois conseillers, conseil présidentiel. Donc, ça veut dire qui ça? C'est l'État qui a combattu la corruption dans l'administration, dans celle. Dès lors, qui est-ce qui parti en un procès? C'est l'État contre les trois conseillers. Le trois conseillers qui représentent l'État tout. Justement. Donc, il y a de l'État, il y a ça. Bon, seul l'État. Donc, c'est l'administration de l'État, c'est-à-dire l'on prend Gary Conny, il est le chef constitution, dit, il est le chef de l'administration publique. En tant que chef de l'administration publique, il décide que l'administration qui l'a dirigé a pas de droit de corruption là-dedans, il saisit ULCC pour mener enquête là. Ça, c'est la première chose. Deuxième bagage qui vient dit, quand le président Edgar Leblanc, fils, était à l'extérieur, soit à Barbade ou bien, ou soit il était voyagé, les ça a été fait d'elle, et puis ils font une déclaration, ils disent ULCC, pas ça, seul ULCC qui est compétent, c'est pas ça, qui pour faire enquête sous bagage là. Maintenant, qui s'est privé? Les deux chefs du pouvoir exécutif, et ben ça, ils ont engagé la responsabilité de l'État. Qui Raoul Pierre-Louis lui-même, dit c'est dénonciateur. Donc il n'est pas parti au procès. Qui ça, la loi de mai 2014, lui dit, pour un dénonciateur. Article 18 l'a dit comme ça. Léon Moun, lui c'est dénonciateur, ou bien le témoin,
d'un fait de corruption, l'État a une obligation pour protéger les gens. Non seulement, il faut le protéger, dénonciateur, il faut le protéger famille. Il faut le protéger environnement professionnel. C'est ça, ça que le gouvernement n'a pas fait. Parfait. Article 18 dans la loi sur corruption 2012 que nous-mêmes nous prenons. Il dit faut protéger les gens qui dénoncent la famille, environnement professionnel. Ça veut dire tout le monde qui est placé sous autorité. Non seulement n'est-ce pas fait ça, en violation de l'article 18, parce qu'à partir du moment ça là, c'est le rôle dénonciateur qu'il joue, il n'est pas parti au procès. C'est l'État qui partit dans le procès ça. Mais, quand il est là, pour enquête là, avancer ou dit, faut Raoul Pelli reste à la disposition de l'État. Puisque c'est lui qui va appuyer l'État, et bien ça, dans l'accusation, l'État va le voter. Donc, ça, c'est vraiment important. Vous comprenez ce que vous comprenez? Qu'on a expliqué qui j'ai fait évoquer. Est-ce que quelqu'un doit? Non. L'aime prend nouvelle. Vous connaissez Haïti, là où dit l'État, tout le bagage est passé sous place publique. L'aime prend nouvelle que Gary Conny. Et pas Gary Conny, comme si l'exécutif pourrait révoquer, monsieur. M'écrit Edgar Leblanc, on l'aide. M'écrit Gary Conny, on l'aide. En correspondance. Pour me dire, monsieur, pas fait faute ça, la grave. Et Raoul Pierre-Louis, en sa qualité de. Dans le statut qu'il a dans sa cafette là, il a un statut de dénonciateur. Et par rapport avec statut, il doit bénéficier, ça me dit, la protection de la loi. Et toute institution dans le pays qui est responsable pour y avoir contre la corruption. Donc, dit monsieur, pas fait erreur ça. Pour nous pas à le révoquer, monsieur. Parce que n'a besoin, monsieur, au moment opportun. Parce que l'on révoque, monsieur, ça veut dire, ou dit, ou livrer à la violence des entités criminelles. Mais est-ce que ça? Est-ce que quand il connaît, c'est pas exploité, il te peut exploiter, fait pas. On va arriver sur ça. Mais même si on fait ça, il a fait politique en Haïti. C'est intrigue. Parce que n'est-ce pas lié. Bon bagay nan tèt li, ou bien s'il fait pour des motivations politiques, on va comprendre. Mais en même temps, il va li loyo. Vous comprenez ça va dire là? Donc li pa li loyo, pa wè sa loyo di ki responsabilité que loi li conféré, li bay avec autorité exécutive yo. Parce que comprenez bien, ça m'a dit là ou di, li pas seulement nan loi 2014 là, non? Li nan toute convention internationale a été ratifiée en matière de corruption. En matière de corruption, il y a deux bagay qui important ou di. Yo dit dans le texte. Premier bagage qui est important, c'est le renversement du fardeau de la preuve. Et deuxièmement, c'est la protection des témoins. C'est deux principes qui traversent la loi. Protection des témoins, pour qui ça? La corruption à la main longue. Ça veut dire, bon, tu as fait corruption, c'est pas si malheureux. C'est grand nègre qui est dans l'État, c'est grand nègre qui est dans le secteur privé qui a fait corruption. Donc, corruption est une main longue. Et ça fait d'où? Moun qui dénonce avec témoins, il faut mettre l'autre côté pour cacher l'autre côté. Parce que nègre ça est une main longue, il a mis le sous lit. Et c'est ça que fait convention à dire faut protéger. Ça veut dire Raoul Pierre-Louis pas de droit échapper là aux États-Unis. Ça veut dire faut entourer de toute protection nécessaire qui fait là. Mais le fait que Negio vive dans situation ça, maintenant Negio yo bloqué enquête là. Et c'est raison qui ça. Ou après moun qui réagit sous question hier soir. Même tout blé. Oui. Ou après comment moun yo réagit sous question hier soir. Ou après Dali font tweet pour le dire c'est pigo erreur que gouvernement commet le fait qu'il révoque Raoul Pierre-Louis. Mais c'est qu'on y a moun y a découvert texte là. Il n'y a pas jamais lu le texte. Et il me l'a dit ça, il dit c'est pigou erreur que vous faites. C'est catastrophique. Est-ce que son erreur? Ils sont erreurs liées. Non, mais il connaît que Gary Conny connaît. Qu'elle va faire erreur. Ah, oui, ça c'est lui-même. Oui, Gary Conny. Dans la tête, peut-être que dans sa politique de manipulation. Il vient de voir que Algoum et ACP n'a pas bon pour lui. Oui, il vient de et il viole la loi. Il coupe peut-être. Il coupe, ça vient de violer la loi. Maintenant, qu'on est là, où il vient dans une situation, pas de protection de témoins. Maintenant, vous posez une question pour me répondre, qu'on est là. La confrontation. Je l'avais souhaité moi-même. Quand vous avez souhaité là, c'est parce que tout au début, et puis mon yab dit, oui, pas de preuve. Comme la confrontation en matière de procès pénal, son exercice, son processus qui permet tout, fait émerger la vérité, c'est-à-dire va confronter l'une avec l'autre. Oui. Mais deuxième piège que je tente pour mon yo, l'aime d'accord principe confrontation, bien que je connaisse son. Présent, justement. Mais deuxième bagaille de gain, c'est justement pour monter côté nèg yo pas protéger la dignité la noblesse de l'État parce que dans l'être là ou dit pourquoi ça dit que ULCC a dit la confronter Raoul Pierre-Louis à trois conseillers mais la confronter conseiller tout avec chauffeur yo chauffeur pas Raoul yo, mais oui chauffeur Raoul là et la confronter avec sécurité là parce que c'est yo te voyez à chercher cobla dans sac ka président Raoul Pierre-Louis maintenant qu'on y a pour la dignité de l'État elle dit comment pour faire
pour arriver dans niveau ça et puis pour traîner l'État dans un trou de merde. Comment pour faire ou dire là du président de la République et puis on va le confronto ou va le chita et puis on va le confronto avec. Mais j'étais d'accord pour aller là, c'est déjà c'était fini. Mais justement. Donc ça veut dire qui ça? C'est ça. C'est dire la confrontation t'es souhaité bien que tu aies bien comme avocat. Mais c'est pas que l'opinion pas favorable avec toi qui fait que il courir y aller dans UL, c'est sans invitation, précipitation. Parce que avant il va aller, il va aller sans précipitation et au dieu t'es immunité. Et puis il dit il va aller courir y aller dans UL, c'est mais pour qui ça? C'est une manœuvre, son diversion politique justement pour pas conserver position. Et ça fait courir Aléa parce qu'ils ne veulent pas être démis de leur fonction. Et ça, c'était une manœuvre politique. Et le fait, au fait qu'ils courir Aléa. Mais pourquoi ça me dit d'accord encore, vous dit? C'est parce que mon APD dit qu'il n'y a pas de preuve. Vous ne comprenez? Parce que là, on prend confrontation en matière pénale, bien qu'elles sont éléments, oui, qui sont réservés à juge d'instruction, hein, qui peut enquêter à charge et à décharge. Parce qu'il prend deux mounions, il peut le faire confronter. Et c'est comme Zimdadou, l'ULCC m'a dit confrontation, il est dans la précipitation. Parce que qui s'accrivait en matière de corruption? Ou pas parler de preuves dans ce stade-là. Au compte, on va aller. Rôle ULCC, c'est soupçon pour le tracer. Il n'y a pas besoin de confrontation. Mais pas de confrontation en lui-même. Vous comprenez? Il n'y a pas de régime. C'est pas ça? Parce que ça va courir. Ça va avantage à chercher. Yeah. Ou pas que le client n'a pas besoin d'avantage. Justement. Ça veut dire quoi, moi-même, ça va avantage à chercher? Donc, vous avez un avantage là. Je m'apprends. Et c'est comme si tu étais pour l'avocat. L'on appelait de devant juge pour demander tout le bagaille. C'est lui qui commence à la barre. Je ne comprends pas. L'abdi demande sauf faire, il n'y a pas de rapport à la loi. Il n'y a pas de rapport avec ça, mais ça ne va pas. Je ne comprends pas. Je ne juge pas tout le bagaille. C'est lui pour dire, mais ça ne va pas. Mais est-ce que vous pensez que là, par rapport à Cléon, il va faire confrontation? Est-ce que vous ne prenez pas défaut? Non, vous ne pouvez pas faire ça. Je ne suis pas là, mais. Non, tu as tout le bagaille qui gagne. Et vous dites, attendez bien. Là, on dit la loi. Tu quoi vivre? Vous ne pouvez pas comprendre. Le principe de la primauté du droit. Comment ça veut dire? Il existe une seule loi pour tous, un seul État pour tous. Ça veut dire, lorsque les gouvernants, les gens disent Haïti sont état de droit, ils font un vieux moulin, non? Les gouvernants doivent se soumettre à la loi au même titre que le simple citoyen. Ça veut dire, directeur ULCC à tout, il doit soumettre à la loi. Gary Kony doit soumettre à la loi. Conseil présidentiel là doit soumettre à la loi. C'est comme si en dehors là, Kaïmen Lagounav, lorsque vous parlez de confrontation, toi, conseiller présidentiel avec Raoul Pierre-Louis qui sont civils, et pas ça? Là, Kaïmen Lagounav, il y a son combat entre pour des terres. Et pour des vœux. Mais ma bonne vague, j'ai l'impression, ouais, les nègres, même si nous avons maîtrise, mon doctorat, mon licence, vous connaissez depuis nous ni corrompu, tout ça, il n'y a pas de sens. Ça veut dire que vous venez là, vous venez là, vous venez là, parce que nous ni corrompu. Mais paysans, par contre, il y a depuis nous ni saine, depuis nous ni pas affecté, je vais vous reprendre, il y a plus logique, oui. Plus compréhension, parce qu'on est qui ont doctorat, mais nous ni pourri. Ou les paysans d'où? C'est soit parce que les gars. Mais justement, parce que son simple bagaille qui gagne, ou pas même besoin de faire droit. Pour comprendre ça, Mabdoulala. Paysans d'où, ça son lutte entre pour des vœux et pour des terres. Ça veut dire son lutte inégale. Comment pour placer un nègre qui président en façon civile ou doit faire confrontation avec elle? Ça veut dire les armes. Ou on commence à remettre elle. Ou un paysan fort, une philosophie. Eh bien, grand nègre qui bon en droit, yo, gros spécialiste, ou qui t'aime mieux employé, il dit le principe de l'égalité des armes. Ça veut dire les âmes ne sont pas égales. Et si l'âme n'est pas égale, donc pour ça, pas équitable. Mais on fait ce dîme-là que vous-même, vous avez l'avantage de prendre, confrontation à ta bon bout. Oui, premier bagaille. Mais quand il y a la mort, non, mais il y a deux bagailles qui existent, qui m'exigent. Dans la correspondance. Avant de vous, il est là-bas, moi, je écrit, oui. Je dis, pour que la confrontation soit possible, il y a deux bagailles qui pour faire, il y a deux principes, moi-même, je vais transiger sur eux et je vais négocier sur eux. Premier principe-là, c'est la protection des témoins. Vous êtes des témoins. Oui. Et tout le monde qui témoin, dans ce qu'a fait la loi ou des dénonciateurs, il faut une protection de la loi, genre la loi d'IA, la protection de la loi et des institutions. Parce que, tenez bien, vous dites, pour nous, quand on est, côté l'or, vous dites, il y a une manipulation, il y a une manipulation vraie. Dans l'être, là où il y a une depuis la première lettre, il y a une protection. Des protections. En vertu de l'article 18, pour dénonciateurs. Parce que c'est le principe ça qui dégage. Dans la loi et dans la convention. Il faut protéger témoins avec dénonciateurs. Vous comprenez qui ça, Gary te répond, monsieur? Je mets en contact avec le directeur de la police nationale. Le Raoul Pierre lui relé, directeur général de la police nationale. Là, on s'en dit. C'est pas Raoul Pierre qui fait. T'as dit bien, ça, Mbradoula. Là, pour montrer que nous avons fait toutes les démarches possibles. Ça veut dire que c'est pas Raoul Pierre lui dit qui vous fait des démarches. Raoul Pierre lui relé, directeur général de la police. Là, on s'en dit. Mon cher, écoutez, voilà le problème. Je n'ai pas toute la confiance. Dans tout agent force publique. Je ne vais pas prendre une décision, ça, moi-même, pour mon sécurité. Ça. Après ça, vous attendez depuis devant la sécurité après ça, c'est non. Mais c'est lui qui vend nous. Maintenant, il dit, monsieur, sous qu'on est, ou bien des trois agents, dans la force police, là, il va ça, ou bien avec, ou bien confiance dans la main, il va ça. Il va y avoir un problème pour lui. C'est monsieur qui va y avoir un monde qui va y avoir la sécurité.
Est-ce qu'on a une situation? Mm-hmm. A non seulement, ils ont mis monsieur au pied du mur, pas par monsieur sécurité. Hein? Et puis, deuxièmement, ils n'ont pas protégé job monsieur ni environnement professionnel, ils ont révoqué. À partir de ce moment-là, on met en blocage. Non, enquête là, comment on peut le faire, Kounye là? Jean Paysan dit, on lutte entre pots de verre et des pots de terre. On a négla paraître dans ULCC avec toutes les machines blindées, le protège présidentiel, le bazar, tout le bagage pour voir où il vient, lui, paraître sur une motocyclette. Parce que même machine blindée, il va directeur général là, et président. Mm-hmm. Donc là, ça a toute sécurité de gagner, il n'y a pas gagné encore. Non, voilà, monsieur, on s'est vu le sèche. Il sèche, c'est-à-dire nu comme un verre, c'est-à-dire il n'y a pas l'équilibre. Et c'est ça, Guedi Blaise, avocat, il dit non, tout le fait. Il dit maintenant, si vous faites ça, vous mettez là dans la situation de déséquilibre. Donc, enquête là produit un déséquilibre. Mm-hmm. Déséquilibre là. Donc, qui est à l'avantage de qui est? Avantage de trois conseillers du conseil présidentiel ou établir un déséquilibre. Et de pour finir d'établir déséquilibre, ça, pas de enquête encore ou compromettre et que là, donc ou biaiser. Qu'on a Cléon lui-même, qui vient faire partie, on dit te poser question ça là, qui vient faire partie facile comme ça, qui te brille? Écoutez, eh bien, Mabzo, li parti facile, li parti li qui te dehors, et c'est parce que j'en redis assez bluffé, n'est-ce pas? Pas d'accord. Plus avec le courrier qu'elle campé. Oui, mais c'est justement que je ne pas comprendre. Ils ont livré n'est-ce pas à la violence. C'est comme si on commence à mettre là, sous pas sorti là, ça crie vous oui. Yo la gueule pour chien manger. Yo la gueule pour chien manger. Donc sous rete là chien manger, c'est où vous voulez parce que pas de sécurité pour vous. Yo la gueule. Yo fait l'aller. Mm. Maintenant c'est pas ça c'est ça qui fait l'aller non parce que Raoul puis lui qui est maman, qui a 99 ans, qui est en phase terminale. Par contre, c'est peut-être que c'est le seul garçon qui maman gagne, il était venu assister à cette phase terminale et puis l'aller. Mais toujours est-il m'a répété, nous sommes prêts pour cette confrontation. À partir du moment où... Donc, si tout le monde a fait la confrontation. Absolument, on a fait parce que nous avons besoin. T'as dit bien ça, Mabzoula. Confrontation, il y a un monde qui peut faire. Il y a un juge d'instruction. C'est-à-dire, de manière, son processus... Si on dit ça, on n'est pas d'accord avec la confrontation. Non, on est d'accord. Non, on est d'accord, son élément. Mais qui ça fait ça, Mabzoula? On est d'accord, genèse question. C'est parce que nous avons parlé des preuves. Mais comme la confrontation, son processus qui peut permettre vérité à émerger, et pas ça, mm-hmm. parce que you n'a contredit l'autre, et à partir de ce moment-là, donc vérité a sorti au fond du puits. Mm-hmm. Et puis on établit vérité. Donc, pas de problème. Comme on connaît la vérité et le droit li, du côté de mon client, donc on pas peur confrontation ça que vous m'a dit. Mais ça me demande, c'est les garanties de sécurité. Mm-hmm. Même après établir l'autre bagaille encore. Pour question preuve là, pour me parler avec auditeur. En matière de corruption dans ce stade, ULCC, ce n'est pas preuve là pour chercher. Il faut chercher soupçon de corruption. Soupçons sont l'autre bagaille lié. Qui ça vous dit soupçon en droit? En droit, c'est des faits à partir desquels on peut attribuer des intentions coupables ou blâmables à quelqu'un. Ok? Maintenant, qu'on y a là, dans bagaille, ça a passé dans BNCA, c'est pas pour c'est soupçon. Soupçon, c'est qui ça lié, vous dit? Je vais définir pour vous, mais je vais prendre un exemple pour vous. Il y a ce que dire, mais écoutez, bon réunion, pas faite sous BNC, mais BNC, c'est une banque d'État. Est-ce que la réunion qu'a fait là les concerner le fonctionnement de la banque ou bien problème que banque là a confronté? Mais si réunion l'a fait, et pas ça, sous question banque là, et pas ça, à ce moment-là pour que sa réunion ça n'est pas faite dans villa d'accueil. Côté siège conseil présidentiel hier. Deuxième question pour chercher soupçon, on dit mais le conseil présidentiel là, il y a distribution des tâches, et pas ça. Il y a des toutes questions finance, économie, c'est fruit de gens. Toutes questions droits humains et relations internationales, diplomatie, c'est Smith Augustin. Tout bagay qui a question avec santé publique, c'est Gilles. Mais tout bagay qui a avec la justice, c'est Ventil. Mais question banque, il va ça. En fait manger, c'est Fifia. Oui. Bon, m'oublie non. Donc, question banque, son bagay qui relève des compétences, c'est ça. Des fruits de gens. Pourquoi ça, c'est pas fruits de gens conduit réunion? C'est ça, pour poser cette question, pour trouver soupçon. Deuxième bagay, nous a dit, mais écoutez, pourquoi ça en réunion dans le fait dans chambre 408, dans Oasis? Mais pour qui ça réunion en tout? Au moment de la réunion, il vous dit tout téléphone saisi, y compris nous saisi téléphone président. Donc ça veut dire il y avait des choses indécentes et des propositions indécentes. Il négocie tellement. Ah, tout téléphone de saisi. Tout téléphone saisi. Et raison négocier la veille. Nous avons parlé ça. T'es bon réunion, t'es fait par premier ministre ou bien t'as Gilles qui t'es fait et qui t'es passé en quête de poisson. Gilles, côté t'es premier ministre. La clôture de premier ministre en commun. Justement. Donc négocie pour bailler ça pas répéter. Il dit textuellement pour bailler ça pas répéter. Encore, on peut nous prend tout téléphone avec assurance. Donc ça cap dit là, les papes sortis. Donc, ou pas même besoin d'arriver dans la question 100 millions de gouttes. Donc, fait yon gâte en caractérisé. Donc, gâte en soupçon de corruption, c'est ça yon m'a dit. Relever les soupçons de corruption et ce travail ULCC pour le faire. Donc, établir ces faits de corruption et à partir desquels, maintenant qu'on est là, ou à transmettre dossier à le commissaire du gouvernement qui c'est autorité de poursuite
Donc, commissaire du gouvernement, avec les rapports de ULCC, saisit le cabinet d'instruction avec son réquisitoire d'informer. Maintenant, c'est le juge d'instruction hein, qui peut le faire confrontation. C'est ça parce qu'il a un rôle. Donc, pour lui, enquêter à charge et à décharge, et puis pour lui, indice. Et là, ça, c'est indice de corruption. C'est indice si on l'a cherché comme infraction pénale. Ou pour même dans preuve, ou dans indice. Maintenant, qui est le preuve? C'est le jour du jugement. Le commissaire du gouvernement a porté accusation. Yo. C'est lui-même qui peut le faire toute sale qu'on est pour le transformer les indices en preuves. Maintenant, s'il t'a fait indice tourner en preuve le jour du procès, il y a condamné. Et s'il n'est pas capable de, il y a lâché. Yo. C'est à ce moment-là qu'on parle des preuves. Mais en matière de corruption, on dit, on l'autre bagaille, après le principe de la protection des témoins, on l'autre principe encore, c'est le principe de le renversement du fardeau de la preuve. Ce n'est pas le fait que et Raoul Pierre lui paraît là comme un coup d'âme et puis il dit comme ça, ah, n'est-ce que tu 100 millions de gouttes. Non, il baille des faits. Il explique le déroulement de tout événement. Yo. Pour l'expliquer ça, ce n'est pas parce qu'il n'a pas apporté des preuves, non. Mais en matière de corruption, la loi, et pas moi qui fait le problème, si nous pas d'accord avec la changer. La loi, il dit c'est le renversement du fardeau de la preuve. Ça, renversement du fardeau de la preuve, là, il dit. L'Iv le dit. La personne accusée doit faire la preuve contraire. C'est-à-dire, vin dit bagaille contraire. Et sous pas qu'a dit, sous pas qu'a expliqué bagay contre par rapport à ça, monsieur dit là, donc la culpabilité est établie. Mais qu'on est là, moi, le bagay ça vient de venir chaud, de recevoir Gérard Gilles ici, bon, pas de parler dans le micro, non? Mais de venir directement, il a mon téléphone, il a une conversation entre lui-même avec le client là. Moi, je vois que le client là, il a bagay effacé. Il a dit, moi, ouais, ça. Moi, qui efface, il a pas de effacé. Et je ne sais pas pour qui ça l'efface, ça que l'efface, si le bagay l'a caché lui-même. Mais, Metsonne, il y a quelqu'un qui dit, on a oula, on a répondu pour tout. Il y a des gens qui disent que c'est Gary Konik P.O. comme avocat, Raoul Pierre-Louis. Ça a une vérité dans le monde. Tu me dis, c'est lui qui contacte toi. C'est comme lui qui prend avocat pour Raoul. Non. Tu me dis, si Gary Konik, ou est-ce que j'ai parlé là, ça veut dire que j'ai un rapport avec Gary Konik. Je ne peux jamais Gary Konik un jour dans la vie. Il ne peut pas contacter toi. Non, jamais. Je ne peux pas contacter Gary Konik. La télévision, ouais. Oui, la télévision, je ne peux pas contacter du tout. Ça veut dire que c'est des gens qui font manipulation politique. Et si Gary Konik a choisi comme avocat, et Raoul Pierre-Louis, on t'a dit monsieur Crétin en pile. Gide pas beaucoup dit là dans procédure ou dit parce que m'a regardé m'a mené nèg jusqu'au bout côté ou parler là. Mais s'il t'a choisi comme avocat son Crétin t'avier. Comment il t'a choisi comme avocat pour Raoul Pierre-Louis? Ça va. Ça c'est ouais mon t'a dit ça parce qu'il est intéressé. Non, mais il pas faire ça. Avant de volter face. Gars il est intéressé. Dossier a été très intéressé pour la cuire les CPA. Ça après moi aller m'a rendu ça. Est-ce que c'est vrai pas mon boulot lui-même et puis le révoquer Raoul Pierre-Louis. Il signe dans groupe monde qui révoquer. Temzo. Et t'a dit non. Oui. T'es mis en bas qui gagne. Pour finir avec les six ça. Et songez ça me dit, même pas développer ça en pile. Ok? C'est l'État qui est parti au procès. C'est-à-dire que parti là, c'est lui qui est victime. Non? Parce que banque là, c'est une banque d'État. Imaginez que Raoul Pierre lui te prend 100 millions de gouttes de bail. Ça c'est comme déposant, pas ça? Comme déposant, il y a une banque BNC, il y a l'État pour gérer BNC. Maintenant, c'est l'État qui est victime. Je vais expliquer encore. Les dossiers arrivés devant le commissaire du gouvernement. Encore une fois de plus, Raoul, c'est dénonciateur qu'il y a. Et c'est l'État qui est victime. Et c'est lui qui va en face, toi, conseiller. Comment pour. Mais il n'y a pas qu'un avocat dans le primature. Pas qu'un avocat dans le palais national. Comment pour t'as fait dire Gary Konik pour choisir non? Donc, si on t'a choisi, c'est à la plus grande ignorance et la plus grande imbécilité parce que vous n'avez pas qu'à faire. Et m'a dit pour qui ça dans la prochaine émission là, qui fait vous pas qu'à choisir comme avocat. Vous pas dire le non, m'a pas dire le donc, m'a pas contre mon frère, m'a pas contre Gary Konik. Ni en pète, ni en peinture. Et c'est dans la télévision, m'ouel, t'as coup Gary Konik. M'ouel, t'as coup tout le monde. Mais comment l'autre pile l'autre monde tout, m'a dit un monde qui était d'accord que M. Vin premier ministre. Pour simplement, vous pour qui ça? Par affiliation idéologique. Pour Gavel? Oui. Parce que c'est petit duvalieris, c'est petit duvalieris, ma coûte, même j'avais. Ça n'a pas aucun rapport. Donc, ça veut dire, c'est ma baille idéologique, parce que dans tête, moi, les duvalieris, ils ont un caractère. Ils ont un tempérament, ils ont une dignité. Où est-ce qu'ils ont un caractère? Bah ouais, ça. Donc, pour moi-même, la reconnaissance, c'est une déception. Comment ils ont fait? Ils ont révoqué. Comment ils ont révoqué, mon frère? Bon, là pour un nègre, là pour Raoul Pierre-Louis, ils sont grand commis de l'État, ils pas ça. Nèg ça pas nommé ou pas lettre, pas ça. Ils nommé ou pas arrêté, pas ça. On arrêté pris en conseil des ministres, pas ça. On arrêté présidentiel qui nommé, pas ça. On pas besoin que nèg là mon cher pour l'autre arrêté, pas ça. Sont arrêté qui met fin à l'autre arrêté, pas ça.
Mm-hmm. Pourquoi font ils lettre et vous voyez l'autre dit lettre là, ça veut dire c'est comme si monsieur dans l'administration publique sont moi-même maintenant son lettre qui met tout comme fonctionner va ça. Même j'ai entendu, j'ai l'avantage de vous informer qu'il a été fait choix de vous comme tel balai va ça. Même j'ai entendu une petite lettre qui vient qui dit comme ça maintenant, j'ai l'avantage de vous informer qu'il a été il a décidé de mettre fin à votre fonction va ça. Et la partie fonctionner comment vous voyez lettre balai pour dire comme ça, il mettait fin avec fonctionnant mon compte privé, mais j'ai appris par la suite c'est modèle défini tout pas aucun problème. C'est ça, oui, le moment n'était pas opportun. Mal choisi. Mal choisi. C'est pas parce que le conseil présidentiel n'a pas qu'à pour arrêter, ils mettent l'autre. Parce que c'est attribution, ils mettent l'autre conseil, mais le moment a été mal choisi. Parce qu'il entend dénonciateur déjà. Mais on a fait outre. Oui, il a fait outre. Entre la non-américaine et la. Mais justement, il a fait outre. Donc, on dit qu'il s'est arrivé, mais c'est pas qu'à faire ça. Je me dis, oui, il n'y a pas comme. Mais il n'y a pas qu'à faire ça, tout est bien. Il a fait ça au bon moment. Son dans secteur privé. Mais c'est où il y a un cabinet, monsieur, que l'homme qui dit, il identifie les bombes, non, oui. Il dit, mais son attendez, pour moi-même, je pense que c'est irresponsabilité. Parce que c'est lui qui avait facilité la rencontre entre Raoul Pierre-Louis et Gani Kouarikoni. Il dit, le déçu. Et puis, il citait un homme d'affaires, bon, oui, vous voyez, il dit, c'est homme d'affaires ça qui décide la révocation. Un homme d'affaires qui décide la révocation. Oui, justement. Parce que Raoul Pierre-Louis a saisi un cahier, soit pour lui ou bien pour lui, il fait 12 ans, il va jamais payer. Bien, c'est saisi cahier. Bien, ça saisi cahier là. Et puis, il révoque, monsieur. Et puis, il dit, la lettre. Venait de ce type-là qui membre cabinet son milate. Dans le papier, mon aigle, oui. Gary Kony. Maintenant, ça fait un peu de temps, moi-même, l'aime zoom tapis là comme du Valéry, parce que je connais du Valéry, il y a une dignité, il y a un caractère. L'autre dit, monsieur, il y a un caractère. À partir du moment où on entend ces monsieur qui fait le signe lettre là, qui fait le ça, on dit, monsieur, il n'a pas de caractère, il a un tempérament. Quand il y a ou même, comme moi, qui a suivi ça qui a passé dans le pays là, on suit la transition là. Qui sont les transitions ça? Et qui côté nous pour aller? Sont transitions à l'arrière ou bien où est en 5 mois, 4 mois que monsieur Saurien là, il y a là depuis en avril, qu'on est là en juin lui-même. Est-ce que vous avez un pas en avant qui fait ou bien n'a pas marqué pas sur place? Mon cher, première question, c'est qu'il n'y a pas préparé. On va parler de le tout? De tout. Il n'y a pas de préparation intellectuelle, pas de préparation. Il y a donc Fritz Jean, Edgar Leblanc. Et où est-ce que vous comprenez dans le pays? Pas préparé? Non, pas préparé. Nessie Voltaire? Non. Comme si c'était ça? Non. Il va croquer la haïtienne préparé? Non, il va. Ah, mon cher, il n'y a pas besoin de parler avec mon frère. Et ça, Max Weber parle en bagaille. T'as dit bien? Et puis il dit, les professionnels de l'État. Nous qui dirigeons l'État, c'est les professionnels de l'État. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait. Ou qu'ils sont professionnels des intrigues, de la manifestation, de la magouille, mais pas un professionnel de l'État. Parce que ça arrive, on dit, l'État c'est un corps de procédure. Faut qu'il y ait un médecin, et pas ça. Ou qu'on ne peut pas piquer. Ou qu'il y ait un diagnostic, et pas ça. Ou qu'un avocat ou à le plaider dans le tribunal, il va ça. Mais ça va. Les gens sont professionnels du droit. Mon ne doit pas un professionnel de l'État. Ça veut dire professionnel de l'État, professionnel de la santé, professionnel de l'éducation, professionnel de l'État. Ça veut dire l'État, c'est un corps de procédure. Ça veut dire, sous qu'on l'État, l'homme ne doit pas préparer pour venir diriger l'État, parce que l'État, c'est un corps de procédure qu'on ne peut pas connaître. Par exemple, ça me gâte là. Bon, comment faire pour un dénonciateur, son haut fonctionnaire de l'État, lui, ou quitter le bras avocat? C'est bien ça, m'a dit là. Parce que nous avons un problème ici, depuis qu'on est comme si nous déclarons nous compétents par acclamation. Nous dit tel monde compétent, c'est par acclamation, ou bien radio dit tel monde compétent, et nous dit compétent. Ou bien c'est mon famille qui est intellectuel là-dedans, donc il est compétent par héritage. Mais la compétence, c'est un bagage qui doit être éprouvé. Il faut que nous soyons sur le terrain et nous compétent. Bon, l'autre dit ça. Bon, vous êtes bien. La mauvaise action que nous avons possédé là, même dans la révocation, l'on prend BNC. Ça dit bien, ou dit? Ma, c'est Fritz Jean même qui proposait à la suite des blousailles qui passaient dans le choix du président et t'as fait du conseil d'administration. Parce que, bon, on a vu que t'as fait, qui t'a mené par Fritz Jean. Au cours de laquelle, mais qui t'a révélé le performant dans l'entrevue, il y aurait Gabriel Zéphy. Mais c'est Edgar Leblanc qui t'est venu avec candidat du monsieur. On va les ici. Et puis, on a élément que le Fritz Snell. Délégué par le secteur privé. Au cours d'entrevue, à M. Révélé. Gilles Temene. Oui, Gilles Temene lui-même. Donc, c'est Gabriel Zéphy qui s'est révélé performant. C'est lui, Fritz Jean, est satisfait de performance. De performance, lui. Mais ce n'est pas lui au voté. Y compris Edgar Leblanc. Y compris Edgar Leblanc qui Temene là. Oui, qui Temene n'a pas voté. Pas voté. Et c'est laisse ça. Fritz Jean écrit, on l'aide avec tout le monde conseil. Il dit ça, c'est magouille. L'aide, ça passe ici. Oui, il passe. Oui, il dit, Temene, déposé le délai. Il dit, c'est magouille. C'est à partir de ce moment-là, autant que vous dites. Il t'a mis ton conseil. Mais trois divisions, les divisions au sein du conseil. Et puis, la persistance des intérêts, mais c'est... Il y a division, il y a entendu, il y a le vote de l'autre monde qui va prendre. Oui, mais c'est ça, Mgazo. Quand il y a division, il y a une fête, il n'y a pas d'accord. Justement, quand il y a des gens qui vont côté, il y a des étiquettes.
comme nous pas besoin consensus sur question box ça et pas ça on bail box centrale et pas ça gérer question hein. C'est ça que j'ai proposé justement et c'est ça que me dit des gens comme gouverneur banque centrale pas compétent parce que loi juillet 2012 sur les banques et autres institutions financières il dit on banque d'état son seul gens ou pas mettre en commission dans tête lui pour en faillite. Pour moi, ben, c'est... Il y a qui dit ben, c'est faillite. Mais défaillite. C'est la preuve que la faillite, là, si on met en commission. Non, mais justement, mais il n'est pas en faillite. Là, la faillite doit être déclarée. Défaillite, là, sont mesures judiciaires liées. C'est pas là pour faut que la faillite, là, non. Sont mesures judiciaires. Et puis, deuxièmement, qui s'arrive, Banque Centrale va faire ça. Parce qu'il y a des rapports de supervision et des rapports d'audit. Regardez, il y a posté, oui, sur document Banque Centrale. Les rapports de supervision et d'audit de la Banque Centrale, ils ont dit BNC est en bonne santé. Non seulement ils ont dit BNC en bonne santé, l'année dernière. Fiscal l'année passée, vous savez combien c'est par l'État? 1,8 milliard de gouttes comme dividende. Mais il faut comprendre bien, ça, c'est l'Abdoula et menti. C'est échec pour te mettre dans la tête, conseil là, dans la tête, banque là, en conseil là, les fruits de gens révoltés, que ce n'est pas Frenel qui parle dans la banque là, c'est Gabriel Zéphir, parce que c'est lui performant, n'est-ce pas, Kounia, maintenant Kounia, qui a validé qu'il est, il a constaté que la banque en faillite là, les Réchouya, Kounia dit bon, écoute, parce que c'est pas moi qui a protégé. Exactement. Exactement. Ça veut dire qu'il y a des gens qui a protégé dans ce sens ça parce que mon frange, il dit qu'il y a dans le secteur privé qui bon, veut. Il y a quatre familles qui veut accaparer banque 60% de BNC. Donc ça veut dire que là, justement, donc vous êtes dans une opération mafieuse. Ça veut dire que ça, mon Abdoula, et pas ça. C'est une opération mafieuse. Oui. Maintenant qu'on est là, on dit, on va parler de transition. Mais dès le départ, tout le monde te dit, conseil 7 têtes, 2 pieds, il n'y a pas de quel côté. Parce que tout simplement, ça n'a pas rentré dans l'histoire constitutionnelle, dans l'histoire de gouvernance. Nous étions en 1957. Le François Duval n'était pas le président. Il tournait en queue de poisson. Et c'est la raison pour laquelle, malgré toutes les difficultés que j'ai gagné avec la Cour de cassation, même si j'ai convaincu pour me dire, pour que transition en son transition qui neutre, pour ne pas dominer par les secteurs politiques et des entités mafieuses qui gagnent dans le pays, donc confions-nous le pouvoir à la Cour de cassation. On n'est pas toujours d'accord avec ça et madame, tout y a été fait en 1990, mais il y a eu quand même un résultat. Où l'élection a été faite, Aristide était président. Que ça soit bien, Aristide était plus de monde. Comptage par comptage, ça sont l'autre problème. Maintenant. En 2006, je ne suis pas d'accord parce que Préval était 48% de voix. Ils n'ont pas dit que transition qui était dominée par Boniface là, avec la torture. Donc c'est une transition qui était dominée par les partis politiques, donc et le secteur privé des affaires. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de gain en prison, non. Ils n'ont pas trouvé. Ils ont trouvé Boniface à la barre, ou tu vois. Boniface, c'est moi qui voulais guider la torture qui fait tout le travail. Ou justement. Donc ça veut dire que tu es un premier ministre qui était à la barre, et tu es en élection quand même qui était faite, avec toute difficulté qui était gagnée. Jean Préval était monté au pouvoir ça là. Donc, on avait dit qu'il fallait confier le pouvoir à la Cour de cassation. Mais écoutez, ça, on a vivre là, on dit, il n'y a pas de problème. Parce que par maintenant, même si nous exigeons la démission des membres du Conseil présidentiel de transition, mais qu'on bagaille pour comprendre. Et c'est dans la déclaration qui m'a fait avant hier, qui m'a fait comprendre. Et puis il dit, attendez bien, bagaille BNCA, c'est un petit goût de l'eau qui renverse ces vases-là. Mais ça ne parle rien, non? Devant corruption.